On va continuer avec une petite VOD. Attendez, excusez-moi, ça m'énerve, mon casque. Il est... Le fil de mon casque, il est mis n'importe comment. Il s'enroule, là, ça m'énerve. Voilà. Petite VOD de Dead Island 2. Non, mais arrêtez de mettre trop de clips, par contre, ça va faire... Je vous garantis qu'il va pas les regarder tous. Mais c'est mignon. On va voir avec le docteur Reed. Il va faire des trucs, je sais plus quoi. We good to go? Moi. Not really. The CDC isn't calling the shots anymore. The military have taken command, and they won't extract you until they have proof of your immunity. I'm immune. Look at me. They're just so paranoid about the virus escaping from LA. They know they can't contain it if it gets out. So what? You want to film me making friends with a zombie? Nothing quite so crude as that. But we have to test you. But my equipment is at the CDC HQ by Santa Monica Pier. Yo, I love the pier. The rides, the lights. Oh, whoa. I don't know. I don't think you should go alone. I've been halfway across the city already. It's cool. J'ai mal lu. Hey, like you said. Just gotta get straight back up again. Right. I'll bring you back some churros, Doc. Ok. On va où du coup? Faire des voyages survivants. Compétence d'autophage. Moi, pyromane, pied joint, inflige embrasé aux zombies. Mes dépenses de la santé, non mais please. J'ai dans toutes les pensées de Lox, mais non, mais c'est que bon, bah voilà. Hein. Rapide, tu sais, il y a beaucoup de choses à dire. Oh là, attendez, faut que je loot un petit peu les valises. On n'a pas d'autres qui, c'est bon. Quand même, une ou deux au moins. Oh ouais. Le petit truc là, il va du bruit avec le fil, ça va m'énerver. Bon, c'est bon. Alors, on va aller tester notre sang. On part là. M'enlever de la vie, c'est ça? Moi, je fais ça? Nice! Ok. Ok, j'ai pris des balles, ça c'est cool. On descend. Hop là! Petite glissade là, juste pour regarder la forme un peu. Montrer à quel point je suis chaud! Trop chaud! J'ai pas réussi à voir ses pieds. Ok, il fait la nuit. Il fait la nuit maintenant. Oh, du loot, du loot, du loot. J'ai mangé des gâteaux, voilà, j'aurais pas dû les mettre sur mon bureau. Et en parlant de manger des gâteaux. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, petite zone de loot là. Une épée d'officier. Oh, est-ce qu'il y a de quoi l'améliorer ici? Ah putain, mais le courant! Partout, il y en a! Je me fais électrocuter, j'en peux plus! Arrête! J'étais loin, j'étais tellement loin. Oh mais c'est des attaques de glaire. Mais qui c'est que ça? C'est toi là qui fait ça? C'est toi qui glaire là de partout? Je pense qu'il faudrait du feu pour eux. Ouais c'est ça. Du loot.
Oh merde. Je m'en vais. Peut-être que je fasse un peu plus de trucs, un peu plus de trucs secondaires pour avoir plus de compos, pour améliorer mieux mes armes, peut-être. Ou pour avoir davantage de munitions. J'hésite. Bon là, de toute façon, on va aller faire un tour, tout ça, pour la quête principale. On va essayer de looter un maximum de chez Maximum. Puis on verra. Je les marave. Non. On va même essayer de loot ça. Sinon c'est un peu dommage. Alors là je peux ou pas? Non. Là je peux. Ah mais j'ai déjà pris. Ok, c'est bien. Ça me le compte. Et là, faut que j'aille par là. Mais... Vraiment, quand je fais plusieurs touches très proches, ça ne veut pas se faire. Ah, c'est un sup. Oh. Ah, c'est en allant dans les égouts qu'on va prouver qu'on n'est pas zombie. Ah bah normal, allons-y. Après ça, enfin là on va essayer de loot un maximum et après ça, j'essaierai de, ouais, de faire une quête secondaire ou deux pour débloquer des trucs et pour peut-être enfin avoir ce qu'il me faut pour faire mes améliorations d'anthropophage là, je sais pas quoi. Je me rappelle pas comment, je sais pas, il y avait un truc en phage. Tu fais des belles baskets stylées. Ah ouais? Thank fuck. Let's not do that again. Les chaussures sont classe, j'avoue. Et là je peux pas y aller j'imagine. Et puis ça va me péter à la gueule parce que ça fait des étincelles, tout ce qui fait des étincelles me pète à la gueule. Ah ouais, ils s'en foutent. Ah ouais, ils s'en foutent bien. Dégage. Elle a tué? Ou j'ai dit que c'était comme ça? Non.
On voit quand tu donnes des coups de tatane. On dirait un peu des bottes, non? Ou en tout cas qu'il y a une sorte de... Peut-être des trucs un peu de motard, non? Moi, je sais pas, on dirait qu'il y a une protection de tibia. Bon, ça doit pas être ça, un truc de motard, mais je sais pas, ça m'inspire un truc comme ça. Les protèges tibia, ouais. Mais on dirait qu'elles sont liées à la chaussure parce qu'elles ont le même style, mais peut-être pas du tout. Ok. Sensu. Juste de la sensu. Ouais. Bon. Alors c'est pas mal, hein, mais... Mais moi j'aimerais... J'ai besoin de trucs en fait. Ah, de la thune. Ok. Oh ! Mais j'étais pas là avant ! Ils vont se faire des dégâts entre... Ah oui, ils se font complètement des dégâts, ouais. Résistant caustique mais pas aux explosions, à ce que je vois. Ça, ce sera à recycler. J'ai le mot maintenant. Il n'y a pas l'air d'y avoir non plus tant de choses à fouiller, même si on trouve des trucs quand même. Alors je vais y aller. Ah là-bas, des trucs. Regardez quand même, on va regarder. Mais ça, ça va m'électrocuter, même si je passe à 5 mètres. Donc on va passer à 15 mètres. Dégage ! Yep, that's the place. Just gotta get in. Voilà, j'aurais fait ce petit coin là. Là, il y a des barres de céréales. C'est vrai que les barres de céréales, ça augmente. Ça augmente ma barre de rage là. Elle m'a fait plus peur en disant Mirda que les mobs ne m'ont fait peur en apparaissant. Ah, il n'y avait pas de bras, lui. Tiens. C'est bien cette arme. En tout cas, elle marche bien avec eux. On a là. 1 million unaccounted for? Jesus Christ. They were under our fucking feet. Ah ouais, ils sortent vraiment du sol alors. OK. Autophage. Ah ouais, autophage, c'est ça. Is that what they call it? Autophage. Des trucs sans m'infecter tout ça, mais il me faut une sorte de liquide. Là j'ai eu des trucs d'infectés donc c'est trop bien, mais j'ai pas du tout celui qu'il me faut. Oh. Oh. Ah, je sais si j'allais me faire électriser, j'en peux plus. Ok, il faut que je coupe ça. C'est où que ça se coupe encore? Ça se coupe ici. Et quelqu'un pour jeter ma batterie dans sa gueule? Ouais. Personne tout d'un coup. À part du caca. Bon. Maman. C'est quoi ici? R. Ok. A diagnosis for the living.
about all the dead fuckers they had in here? Someone didn't want to stay put. Ah oui, il y a qu'un bras. Ok, donc il y en a un qui s'est relevé. Il lui manque un bras. Ok, encore. Parti 30 secondes, chercher un fruit, j'ai entendu crier dans ma cuisine. J'ai vu ma cuisine. C'est pas moi, c'est Carla. Hein. Bon petit fruit à toi. Moi en ce moment, mon truc c'est les prunes et les bananes, parce que les bananes c'est juste toujours magnifiquement bon. Voilà. Et j'ai même mélangé banane avec nocciolata noisette. Pâte à tartiner. Juste dans une cuillère pour tester. J'ai pris un petit peu de nocciolata sur la banana. Ça défonce, hein. Mais sinon, d'habitude, je les mange solo. Hein. Un fruit que t'aimes pas, il me semble de quoi? J'avoue que moi, les fruits, je suis assez... Enfin, je sais pas, limité, j'en sais rien. Donc déjà, je suis pas très agrume, sauf les clémentines. Parce que j'aime bien dire clémentine. Quoique mandarine, c'est pas mal aussi, mais je suis pas fan. J'aime bien dire mandarine, clémentine. Orange. Une banane. Bah du coup tu trolls. C'est mon fruit préféré. Si tu trollais t'aurais pas dit il me semble. Non j'ai dit toujours c'est mon fruit préféré. La banane c'est mon fruit trop préféré de fou. Je vais revenir avec mon 2h du matin. Je tombe sur la chaise dans les toilettes. Trop sympa. Merde t'es confondu alors. Ah non moi je kiffe hein. Je kiffe. Et je connais dans mon entourage plusieurs personnes qui aiment pas ça. Je ne comprends pas. Non, c'est le meilleur fruit au monde. Et comme je dis, à un moment, j'ai testé aujourd'hui juste un tout petit peu de nocciolata. Vous savez, la pâte à tartiner. La noisette. Juste noisette, pas chocolat noisette. Juste noisette. Un petit peu sur la banane. J'ai croqué. Trop bon. Tout passe avec la banane, c'est vrai. Ça passe avec tout. Ouais, c'est vrai. Le beurre de cacahuète, il paraît que c'est bon avec aussi. Beurre de cacahuète, je sais que j'en ai acheté une fois pour tester. Et j'avais pas plus kiffé que ça. J'avais pas détesté. Mais j'avais peut-être été un peu déçu parce que je m'imaginais un peu un autre goût. Après, j'aime bien la cacahuète, mais dans ce genre-là, ça va pas être... Je préférais la noisette, quoi. Même si je sais pas si c'est vraiment dans ce genre-là. Il y a quelqu'un qui a tiré la chasse. Arrête, une... Pourquoi je vais aller là, moi? On s'en fout en fait. Qu'est-ce qui m'arrive là dans ma tête? Je voulais absolument aller là et puis je me suis dit, mais. Qu'est-ce que tu fais là, meuf? Ah bah oui, mais j'ai pas le choix en fait. C'est fermé. Bon. Très bien. Très bien. J'ai fait un tout petit saut tout pourri. À 100% le goût de cacahuète, tout le monde n'aime pas, mais. Comme la pâte à noisette finalement, ouais, c'est ça. C'est que bah forcément, la cacahuète, j'en ai pas souvent mangé dans ma vie. Toi, tu vas tellement te relever. Les cacahuètes en salé, je suis pas non plus très fan. J'en mangeais une. J'en mange même jamais en fait. C'est ça, mais. J'en mange jamais. Et en sucré, bah pareil. Du coup, je crois que c'est plus que moi, je suis pas habituée à cette saveur. Je suis pas habituée à manger de la cacahuète. Donc, beurre de cacahuète, bon. Tu m'imaginais peut-être avec un goût un peu différent à côté, un mélange un peu. Mais non. Du coup. Mais c'est pas. Voilà. Comme je dis, je déteste pas non plus. Ah, c'est ça qu'il fallait. Dégage! Oui! Ah, ça roupille. Ça y est, on parle de bouffe, c'est l'heure. C'est un peu salé naturellement, sans sel ajouté, ça veut dire. C'est surprenant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi qui n'aime pas le sucré salé, parfois, bah, du coup, c'est peut-être un peu trop salé. Mélangé avec du sucre dans les pâtes à tartiner, je sais pas. Peut-être. La noisette, naturellement, c'est sucré neutre. Ouais, c'est vrai. Mais j'en mange jamais naturellement. Pourquoi la fiole en sang à l'entrée? Une fiole en sang? J'ai pas fait gaffe. Moi, je pense que c'est juste un reflet. C'est ça, non?
truc posé sur une machine. Je pas fait gaffe, excuse. Je regarde. Si ça c'est la boisson énergisante, mais je pense que tu parlais pas de ça. Je regarde. À droite de l'entrée. Ah si c'était ça, ah ok. Ouais c'est la boisson énergisante et je peux pas la prendre parce que je suis à la fois full en vie, mais aussi full au niveau de ma rage sanguinaire là machin. Mais du coup, j'essaierai de penser qu'il y en a une là quand j'aurai besoin de vie. Oh, cinématique. Oh, pas du tout. Mais pas du tout genre. Raté dans le cucu, dans la gueule, dans le cucu, dans la gueule. Ah, je vais tellement aller chercher du Red Bull. Je peux tellement pas, tellement faire H pour me heal. Ah, faut que j'arrête. Pardon, j'arrête de gueuler. Ah oui, j'ai ça pour enlever le caustique. Je le ferai plus tard. Revenons. T'as choisi quoi comme fruit, Vinou? J'ai peut-être confondu la personne qui a dit « Ah, je vais faire comme toi, je vais me chercher un fruit aussi. » J'ai peut-être confondu. Ah, toi, il faut que je t'explose. Ça devrait être bon? Non, ça va pas exploser. Si je fais ça maintenant. Non. Pourquoi j'ai jamais de quoi me heal sur les endroits où il faut que j'en ai parce qu'en fait c'est une arène. Dans ton cul. Dans ta gueule. Ah, j'aurais pu mettre un rage sanguinaire. C'est pas grave. Du coup, il faut que j'utilise ça. Pour enlever le caustique. Juste faire ça, je crois. Ça marche pas. Pas du tout. Oh, pas du tout. Ah ! Faut que je lui dégage son casque. Voilà. Mon truc de flotte, il est où? J'en ai là, c'est pas ça, ça va aller. Sinon, je vais prendre ma grenade de flotte. C'est censé enlever le caustique, ça marche? Ah oui, ça marche un peu. Ah, mais il y a ça à côté, alors ça va jamais marcher vraiment. Je vais chercher les Red Bull. Ça va là. Il est où? Il est là. Bon. Je peux passer sur le déco. Let's go. Si je fais ça, c'est de la flotte, c'est cool. Par contre, ça coule du mauvais côté. Fort dommage. Tiens, Red Bull. Bah, je vais mettre peut-être mes grenades de flotte alors. On va mettre ça tout de suite. Objet à lancer. Et là, on va mettre la flotte. C'est bien. Ça rince pas de fou. Clairement, c'est vraiment pas dingue. Il y a ça, mais là par exemple, bah, ça sert à rien. Ah, faut que je le prenne. Voilà, et là je le pose gentiment. Oh non, mais sérieux? Bah non, alors. Attends, je te pose là alors. Il y a encore du caustique. Mais si je fais ça.
Ah. Voilà, c'est bon, on a plus, parce que la source elle est partie. Ah c'est bon, ça coule plus. Ouais, c'est un peu ridicule. On va pouvoir passer par là, c'est bien. On a de la flotte ici. On a quoi là? Red Bull? Non, pas du tout, c'est de la poudre à canon, c'est bien. Qui m'a cherché un fruit, je reviens avec une salade de fruits maison, fraises, oranges, ananas et poires. Oh putain, nice! Y'a du fruit là-dedans, mais oui, non mais c'est bien! Merde! Je me suis trompé de touche! Bon, moi tant pis. Je voulais passer. Du coup, je voulais verser, en fait, les jeter. Hey Gweno, comment on va? Moi ça va, on avance bien je trouve dans le jeu. Je sais pas où on en est, par contre on galère un peu quand il y a des phases de boss. Hein. Donc c'est chaud. Et toi tu racontes quoi? Tu joues à quoi en ce moment Gwenou? Enfin si tu games ou pas déjà. Ok, ça je vais le mettre loin. Oh. Ici, je pense que je n'irai plus, donc ça va. Les déchets. Très important. Prenons tous les viscères et les bouts de gras. Et d'organes qu'on peut. Pour nos armes. Sans infecter tout ça. Mais j'ai pas le liquide inflammable d'infecté là, ou je sais pas quoi. J'ai pas ça, moi. J'ai pas ça, hein. Oh. Ah ouais? Vous pensez que c'est un nouveau? On va affronter un nouveau mob. Oh, trop cool, je suis contente. Je suis contente parce que je m'en plaignais un petit peu juste avant. Je disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveaux zombies. Et ben je trouve ça cool. Un plan percé, ça a l'air bien ça. Échine infectée. Ouais, mais j'ai pas ce qui me manque pour tous les trucs que je veux appliquer. On a fait le tour là, c'est bon? Semblerait. Ah bah non, je peux ajouter ça. Ah oh, mais lui aussi il va se relever, ça va être trop chiant. Ils vont tous se relever, c'est sûr. C'est trop sûr, je connais trop le jeu vidéal. Ça, ça continue à couler? Bon, moi ça coule à un coin où ça me gênera pas. Et ça? C'est celui qui a le gros bidou? Non, c'est autre chose encore lui. Ou elle. Je sais pas ce que c'est. Ah, War Thunder. Blood sampler. Je connais même pas, je crois. Je crois que je ne connais pas War Thunder. Ok, je peux mettre mon échantillon de moi ici. On va quand même escalader pour voir ce qu'il y a. En fait, il y avait rien. Hein? Voilà. Je pense qu'il y avait juste rien. Réparer l'alimentation. Mais ça va m'électriser. Un par un, par un par un, par un par un. Voilà, j'ai un par un. Allez, on va mettre le bras là-dedans, là, ça a l'air nickel. Good evening, Dr. Dorian. Please enter your authorization code. You have one attempt remaining. Oh! What is it with all the codes? Biometrics are a... Un code! Oh merde! All right. Dorian was working on specimen type Echo. Echo. This ain't it. Echo. J'ai pas vu de nom. Docteur Dorian. Docteur Reed, Docteur Dorian. On connaît les rêves, hein? Je les ai en tout cas. J'entends, hein? J'entends des bruits chelous, hein? This Dorian? You guys could have worn name badges. Il me manque des cheveux. Pour être vraiment Docteur Dorian Echo. Ok. Mais j'ai pas vu de nom de spécimen. Nope. Wrong guy. Si c'est lui, c'est scandaleux son travail, hein.
World of Warship est sympa aussi. Du coup, ça va être de la stratégie comme jeu? Bah, c'est Dorian qui est superviseur de celui-là, donc c'est elle. Mais elle s'appelle pas Echo, mais ils ont aucun. Y a personne qui a des noms. Y a aucun prototype qui a des noms normaux. Ils ont des noms de code, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Pour le code d'accès du docteur. J'ai déjà regardé ici. Faut que je trouve des indices un peu partout. C'est ce que. Ah oui, d'accord. Echo means the screamy ones. This doctor must have been doing some zombie slicing. Here's the echo. Better check around. Je savais que c'était ici. Dorian's signature. This is the right place. Transcription audio. Non, ça va être chiant. Non, j'appuie pas. J'ai compris. Oui, il y a la plateforme. Laquelle? Rest in peace, Dr. Tête de Dorian. Ah, c'est sa tête là? Nope. Mais non, on a trouvé un autre cadavre. Not what I need. C'est pas celui-là, ça veut dire. Thanks for the code. D'accord. On enquête quoi. Ok, let's go. Ah, c'est bon? C'est bon. De bataille navale, ok. Check. So stick your arm into it. Done. Now what? Puta. On s'en doutait. It's eating me. Just relax. Il paye en pleine nuit pendant le repas, ça ira. Say so. La tripe paye en pleine nuit pendant le repas. Écoutez, ça va. C'est l'heure d'un petit grignotage tranquille, mais ça va. Sounds like you're done. Now the sample will dispense from the side. Got it. Are there worm-like things wriggling around in it? What? Kidding. We're good. Il est rigolo. Il a sucé un clown, le doc. Mais ça m'a fait penser tout à l'heure, je regardais JDG qui jouait à un jeu. Bah avant de lancer live, j'ai mangé un petit peu. Et il jouait à un jeu qui s'appelait je ne sais pas quoi, un simulateur de SDF. Enfin, bref, à la con. Mais c'est pas Hobo Life. Et en fait, il pouvait pisser sur les gens. Et du coup, il pissait sur tout le monde en leur faisant des fucks. Parce qu'il pouvait faire ça aussi. Bref. Et j'avoue, je mangeais. Je suis pas sensible à ça, mais... Bah, j'ai changé. Peut-être aussi que le gameplay était pas non plus le truc le plus passionnant que j'ai vu de ma vie. Et peut-être pour ça aussi que j'ai changé. Ah, voilà. Pour toi, je te... Non, j'ai... Arrête de me parler, je suis occupé là. Oh, je l'ai marave. Franchement, je l'ai éclatax. Quand il y a un mob, c'est easy. Mais quand ils sont très résistants et qu'il y a la hurleuse là qui m'empêche de passer et qu'on est dans un endroit fermé, là, c'est plus compliqué. On avait bien fouillé, je crois. C'est bon? Je peux passer? Je me masse là? Ah, c'est là. Arrête avec les machines qui font bip et... Y'a rien. Y'a aucun cœur qui bat. Oh, non, on a pas fouillé. Un plan! Oh merci. On va réparer aussi. Simulateur de SDF, ouais, américain à la con, très troll. Tout ce que j'ai vu du gameplay, c'est que tu pouvais faire des fucks aux gens et leur demander en même temps de la thune et leur pisser dessus en même temps aussi. Et du coup les bastonner aussi, enfin voilà, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Franchement, même jouer à une heure à ce jeu, ça... Je sais pas. Je sais pas. Un tout simulateur, oui, hein. On a vu avec Psychiatrist Simulator. On a vu ça. Je vais me faire des soins. Ça c'est quoi? Mais ouais, mais j'ai pas d'arme qui demande ça. Je vais me faire des balles de ça si je peux, je peux pas. Ok. Bon bah on aura fait ce qu'on a pu. Je vais... Attendez, c'est quelle arme? C'est celle-là. Recharger, c'est bon.
Y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça. Bah attendez, il me manque une arme là. Ah, c'est en deux. En trois. En un. Ah, ah mince, bah attendez, y'a un sous. Ah ouais, les petits flingues. Ah, mais oui, parce que j'ai de nouveau des balles, alors je vais pouvoir changer. Je vais mettre ça là. Ah, ah mais ouais, mais ça c'est vraiment pas mal en fait. Je vais changer. J'aime bien ça. Ok, c'est bon. Oh, il y a des soins et tout, ça pue. Non, pas les trucs audio, je vous en prie. Santa Monica. Trop classe. Bon, trop classe sans le petit l'audio à côté. Et demain, enfin tout à l'heure, il y a mon père qui rentre après avoir passé quelques jours sur un porte-hélicoptère. Du coup, je suis content. Waouh! Un porte-hélicoptère. Du coup, c'est comme un... C'est toujours un type de bateau, en fait, c'est ça? Je connais pas du tout, c'est la première fois que j'entends, je vois le terme. Bah cool! Faudra fêter ça! Faudra faire un petit repas, un apéro, un truc, pour fêter son retour. Bon, voilà. En tant qu'alcoolo, je pense à apéro, mais d'autres trucs, un goûter. Moi, j'ai bientôt l'anniversaire de mon copain et je sais pas quoi lui offrir. Parce qu'à chaque fois que je lui demande, il dit qu'il veut rien. Non, mais c'est chiant l'audio, ça me saoule. Oui, ah. Golden Shower Simulator, son truc, bah c'était. C'était bizarre. Mais bon, vu le concept de base, la bizarrerie ne m'a pas étonné. J'ai envie de dire que c'était assez même basique, probablement. Mais bon, voilà. C'est joli. Contaminé. Attention aux nichons là. Si on en voit sur mon stream, moi je me fais ban, non? Non, je pense que des nichons en jeu vidéo, ça peut aller. Pas en premier plan, ça peut. Enfin, pas. Pas trop, voilà, ou t'insistes pas dessus, ça peut aller, mais je me rends pas compte, hein. Le puritanisme de Twitch, vaut mieux s'en méfier. Je pense que j'ai des bonus d'XP quand je les finish comme ça. Mais je ne sais pas, je suis pas sûre. Ouh, là ça sent le truc à loot. J'aime bien l'éclairage, comment il est géré. Hop là. Hello, friendly lifeguards. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Arrête! Arrête de pas mourir, c'est chiant. Là j'ai eu 20 XP par exemple. Lui je vais le finir comme ça. 20 XP par exemple, ok. Bon, ma théorie n'est pas bonne. Pas de bonus d'XP pour le moment. Ah, là il y a du loot. Moi je te loot toujours. On va. Pitade ! Pardon. J'avais pas besoin de faire ça. C'était totalement pas nécessaire. Oh ! Is that a fucking whale ? En vrai, est-ce que t'as déjà entendu une baleine pour dire ça c'est une baleine ? Moi je pense que non. Je pense que quelqu'un qui crie dans son micro avec de la réverb, ça fait pareil. Attendez. Attends, non, j'ai peut-être pas, attendez. Pareil, hein. D'accord, hein. Je peux le faire, hein. C'est easy, hein. Donc arrête de dire c'est une fucking baleine. Moi, je pense que c'est quelqu'un avec une GoXLR qui se fout de ta gueule. Parce qu'en vrai, les baleines, bah on les entend. Personne n'en entend dans sa vie. C'est dommage, hein. J'aimerais bien. Hein. Ouais. Mais en vrai. En vrai, t'en sais rien. Quand son anniversaire, ouais, c'est le 21. Ah ! Ah ! Dis ton digue. Dégage.
t'es éclaté. Agonise la baleine là. Oh ça va, c'était un baleine bébou moi. J'ai fait le baleineau moi. Donnez le cri du baleineau. Trop tôt pour le caleçon bite. Tant tard pour le caleçon bite à livre. Arrive chez eux en livraison express. Il voulait pas le caleçon bite. Pourtant. Pourtant, hein. Mais non, en plus, c'est beaucoup trop tard. C'était. Mister Gougou, là. Et Miss Go. Et la dernière fois que j'ai acheté un truc chez eux, hein, franchement, j'ai dit aller plus jamais. 3 mois et demi pour être livré. De 3 t-shirts, quoi. 3 t-shirts et un maillot de bain. C'est marrant, j'étais livré juste après, juste à la fin de l'été. C'était parfait. J'avais commandé au mois de juin, au mois de mai. J'avais commandé fin mai, début juin, j'ai reçu genre en fin août, début septembre la commande. Fait aller, nice. Let's do this. Donc j'ai dû aller, hein. Du foutage de gueule quand même au bout d'un moment. Je vais voir ça. Ça va pas trop marcher, je crois. Ça va exploser. Je suis coincé, c'est bien. Non, mais attendez, je peux pas esquiver tout là au bout d'un moment. Je me suis coincé en plus. Tu me suis coincé! J'ai rien dans mon verre, je suis dégoûtée. J'ai rien dans mon verre et je recommence là, quoi! Merde! C'est quoi ça? Pas le bon. J'ai barrage sanguinaire. C'est un peu surutilisé là. Hello friendly lifeguards. You happen to have a blood drive? Un peu surutilisé. Je vais annuler. C'est vrai, je suis pas obligée de tout utiliser. J'avais oublié. Is that a fucking... Ah oui, il fallait que je mette un truc ici. Hein. Est-ce que j'ai quelque chose là à remettre? Bah non, mais c'est des fusibles, j'ai jamais de fusibles. J'en trouve jamais. On peut regarder pour les gros larages parce qu'ils piquent. Ouais, mais je pense que je l'aurai d'ici là en fait. Je pense que je vais l'avoir. Ma rage. Cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci beaucoup. Je me suis mute. Je veux savoir pourquoi. Merci beaucoup, Jetson. Pour le raid. Pour cet adorable raid de 34 personnes. Merci. C'est très doux de ta part. Et j'ai vu que tu étais sur V-Rising, sur la mise à jour. Enfin, le DLC, je crois, c'est un DLC. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as passé un bon live? Merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce qu'on peut avoir un slash shootout pour Johnson, s'il vous plaît? Salut Harper. Oh, tu l'as déjà fait. Excuse-moi, tu l'as déjà fait. Pardon. Et salut Harper Game Art. Tardi. Tardi les termes beaux. T'as dit les termes beaux, pas tardi. Anatomic Sky. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Déjà fait. Ouais, excuse. Excuse. On est sur Dead Island 2 et on est... un peu avancé, si vous voulez pas vous spoil, je préfère vous prévenir. C'est très très gentil d'avoir pensé à moi, c'est vraiment adorable. Je sais pas, t'es encore en live, t'as commencé ton live tôt, je crois. Bon, j'ai pas trop pu regarder, j'ai joué à...
J'ai joué à Zelda jusqu'à quasiment l'heure de lancer mon live. Voilà. J'avoue en fait, non t'avais raison, j'aurais dû garder ma rage pour les gros balèzes. J'avoue. Bah attends, je vais lui envoyer un peu de flotte dans la gueule. Hein. Et voilà. Et là, fais-moi le malin. Ils vont m'éclater. Pas grave. Je vais aller là. Pourquoi des bruits de baleines? Ah mais les deux en même temps c'est chaud. Ah mais les deux je peux pas. Il passe à travers. Il m'éclate à travers son pote. Ah! Je dis des phrases un peu dégueulasses, non? Bon. Ah! Oh, passez dans le feu, je vous en supplie. J'éteins le feu. J'éteins le feu parce que les deux grenades se ressemblent de fou. Peggy 18. Là, je suis vraiment morte. Tu le penses stream du coup? Non, parce qu'il y a à peu près l'intégralité du Twitch game qui est dessus. Et surtout, j'aime beaucoup trop les Zelda et j'ai beaucoup trop adoré Breath of the Wild en le faisant à ma manière et tout ça, que je voulais pas avoir la frustration de le faire que en live. Du coup, je me suis dit bah non. Il y a largement de quoi regarder si des gens veulent voir des let's play de Tears of the Kingdom, il y a vraiment largement de quoi faire. Et moi en plus je suis sur d'autres jeux en ce moment, donc si je le faisais en live je devrais le faire vraiment que deux fois par semaine ou trois fois par semaine quoi. Ça me frustrerait trop. Et en plus comme ça, ça me permet d'éviter d'une les spoils et de deux de donner un, de faire un peu autre chose pour les gens qui veulent le faire et ne pas se spoil. Et trois, comme ça je joue tranquille avec mon copain hors live en mode switch and chill. Voilà voilà, donc du coup voilà, Tears of the Kingdom je fais pas en live pour toutes ces raisons, mais clairement pas parce que je veux pas le faire, ça c'est la dernière des raisons. Et il est tellement trop bien en plus, vraiment. Et du coup ça a été je ne sais pas du tout, c'est bien sympa, bien que c'est un peu chill lent. Ouais c'est un peu lent, j'avais testé V-Rising, j'y avais joué deux soirs je crois et ah c'est bon. Et bon, c'était... On va dire par rapport à d'autres jeux du genre, bah je préférais jouer à d'autres trucs. En ce moment on est sur Valheim par exemple et je trouve que c'est un peu plus sympa. Enfin, pas le même genre tout à fait, mais ça se ressemble pas mal dans le principe. Mais V-Rising, tu joues solo ou pas? Parce que solo, il doit être un peu galère. Après c'est vrai que t'as des serveurs et tout, c'est un peu différent. Pète les couilles la baleine. Peu hein. Un peu. Ok. Je vais pas prendre la flotte. En grenade. Il y a des grenades dans ce jeu. On peut les... L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de les... On n'a pas besoin de les acheter une par une. On n'a pas besoin d'avoir une quantité de grenades. Il faut juste avoir un cooldown. Et le truc c'est que bah ça c'est la flotte. À chaque fois je l'utilise. Bon tuyau. Ça met juste de l'eau. Mais on s'en fout un peu, je pense. Mais si je fous du feu partout, est-ce que je risque pas moi-même d'être légèrement brûlé? On a testé ce soir, on était deux. Ok, ouais, deux, ça va. Je pense qu'il faut au moins être deux, parce que solo, ça doit être un peu chiant. Non, il brûle la baleine, tout ça, mais on dirait une baleine qui chante faux. Et beaucoup trop fort. Et beaucoup trop souvent. Bon allez, je tente le cramage. Je tente le cramage. Si le cramage n'en apporte à votre décédage. Ok, cramage, tout de suite, paf. Ah ! Quoi, ça met de l'eau. Ça met de l'eau. Hop là. Hop là. Quand j'en fais qu'un, ça va, parce que je peux le bloquer. Mais quand ils sont deux, bah le problème c'est que je peux pas bloquer en boucle. Mais j'ai mes gru-gru. Hop là, attendez. Ah ! Explosion. Dégage-toi. Non, 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 non.
J'ai de la portée, mais pas assez, hein. De panique, 100% de maîtrise. Et ouais, mais voilà, je pars un coup, sauf que l'autre a déjà chargé son coup pour me le foutre dans la tronche. Donc c'est compliqué quand même. Ah, critique. Ok, c'est cool. T'es contente. Ok, gros gros. Il a tué son pote. C'est sympa de sa part. C'est plutôt nice. Mais je me crame, je savais. Vite, 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 vite. Oui, 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 c'est bon, ça va. Humana. Yes. M'a mis très cher. Enfin, je crois, je sais pas. Je rends pas bien compte. Oui, j'ai pas de quoi me heal, alors arrête de souffrir, s'il te plaît. Mais putain! Il a plus de vie, je le vois là! Ça paraît vide! Fous de ma gueule le jeu! Pourquoi tu me fais souffrir? Tiens, grenade dans ta gueule! You know how it is. Oui, oui, bah voilà, là tu peux faire une réplique stylée un peu nulle. Alors que juste avant t'étais. Merci! On va manger la petite barre de céréales, mais là si je me crame, je meurs. Donc on va aller très doucement. Ah, petite barre protéinée. Et là on va prendre le portefeuille. Je savais que j'allais me cramer. La jambe dans le sol, elle fait coucou. J'ai pas vu. J'avoue. Je vais essayer de check. Ok. On s'est compris. Bon, la baleine, hein. On va essayer de lui faire former sa gueule, comment? La baleine. Où es-tu? Il y a plein de portes que je peux pas ouvrir. Cherchez Blue Drive. Bah, il a pas l'air d'être là. Ah mais si, c'est lui qui met le son apparemment. Je suis sûre, plutôt. Ça fait un peu musique de suspense. Quoi là? Ok. Le tour évidemment. J'ai pas pu taper. Comme dans une zone où on tape pas. Doc, there's nobody here. That means Dr. Bundy didn't make it. The blood drive must still be at the end of the year. Then I'll go get it. Oui. Blood drive, no way out of LA, right? Right. On est arrivé dans une zone safe où on a pu faire fermer sa gueule à la baleine. Je me cache comme s'il y avait une cinématique, mais c'est pas une cinématique, c'est juste quelqu'un qui nous bat. Nouvelle carte de survivant. On a déverrouillé une carte. Nouvelle carte survivant plutôt. Ah c'est ça. Ah bah non, c'est que maintenant je peux en mettre plusieurs. Je peux en mettre d'autres. Autophage. Bof. Les glissages, j'utilise pas. Choc terrestre, j'utilise pas. Trousse de soins, forte explosion, ça peut être bien. Porter un contre rend plus de santé. Mais contre, on est d'accord que c'est ça. Oh bah, je peux pas le montrer. Bref, c'est quand mon perso fait ça. Parce que je le fais beaucoup. Alors ça peut être très intéressant. Oh, tout,
toutes les armes trop useless que j'ai. On va arranger ça tout de suite. C'est quoi ça? C'est une flûte? Un bâton de bow. Est-ce que c'est des bâtons que quand on fait ça, ça fait... Après on fait ça, ça fait... Je vais l'équiper pour voir. Ah, je peux pas! Non, ça a pas l'air d'être ça, hein. Mais vous voyez, tu sais, vous savez les bâtons zen qui font... Vous voyez ou pas? Qu'est-ce que je fais? Pardon. Alors, on va réparer les armes et tout, mais on va surtout virer les trucs useless. Celle-là, le bâton qui fait... Mais qui en fait le fait pas, on va le virer. On va le recycler. J'ai une matraque, j'ai une hache. J'ai un marteau à viande. Oh, j'ai une épée. Je voulais l'améliorer. Bon, je dégage ça. Je vais peut-être garder juste la hache. On verra si on l'améliore ou pas. Oh, tout ce qui me... Ah ouais, j'ai eu plein de trucs. Là que jamais ici. Ça, ce serait peut-être bien que je reprenne à la place de ça. Et ensuite, on va réparer. Déjà. C'est fantastique. Là, j'ai une épée qui peut être super stylax. Si je l'améliore un peu. Qu'est-ce que j'ai? Je peux enfin faire ma nouvelle amélio. Infliger des coups critiques à une bonne chance de déclencher une explosion à l'impact. C'est pas fou en fait. Non, je suis pas fou en fait. Parce que coup critique, c'est pas souvent. Un peu déçu. Je vais l'améliorer tout de suite, l'épée, on verra tantôt. Et toi, si je t'améliore? Recharger dans un bonus de dégâts modérés. Ça peut être bin. Ouais, mais bon, eh, ça fait beaucoup de compos utilisés. Là, j'ai... Par exemple, le dernier truc en bas à droite, échine infectée, j'en ai que 5 sur 4. Je veux être un peu sûr que ce soit bien, quoi. Et toi, si je te modifie? Bon, non mais je vais pas améliorer là tout de suite. Ah peut-être toi. Toi là. T'as plein de bonus toi. Si je fais ça. Oh, voilà, on a d'autres qui pourraient être cool. Blesser un zombie a une chance de restaurer la santé. C'est trop bien ça. Là on a à mettre à terre déclenche une puissante explosion à l'impact. C'est trop bien. Mutiler un zombie génère... Ouais non mais... J'ai obligé d'économiser. On va économiser les compos parce que pour le moment... Un peu pourri. On nous propose. Du coup, j'ai pas de quoi déverrouiller le kit de sauvetage, ça dégoûte. Et j'ai un audio chiant qu'on va être obligé de se taper parce que on peut pas mettre pause aux audios. Aux audios. Et du coup, là, est-ce que je mets d'autres armes? L'épée. Elle est pas améliorée, donc je la range. Oui. Oh, je peux passer là? Ah non, pas du tout, c'est très petit. Donc comme d'hab, dans tous les audios, on entend quelqu'un se transformer en zombie ou quelqu'un qui se fait attaquer par un zombie. Voilà. Alors, il faut qu'on aille voir le docteur sur la jetée. C'est là-bas du coup. On va aller à la fête foraine, putain c'est trop cool. Oh je suis trop contente.
L'audio, par contre, ça me gonfle. Looks like a regular Saturday night. Ouais, non. Je baisse un petit peu. Voilà. J'ai baissé un petit peu, c'était peut-être un peu trop fort, je sais pas. Vous me direz si c'est pas top. Sympa la ville. Bon, on va se focus. Merde! J'ai paré complètement après. Bon, ça a l'air sympa ici. J'ai envie de visiter là. On va se concentrer sur la jetée et après on ira visiter. Par ça, c'est pas sa spé. De quoi qu'elle veut pas ma spé, excuse-moi. Excuse, je lis un peu tard. J'ai pas du tout le temps de m'éloigner. D'habitude, j'ai un peu le temps avant que ça se déclenche. Oh non, on va me jeter du pu. Bon, c'est l'heure. Hein. Dégâts critiques. Oui, c'est vrai. Ah oui, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Ok. Oh non. Corrosif. Ah, c'est bon, t'es... Cobra crasher. Ah, je vais pouvoir peut-être avoir un truc sympa avec ça. J'ai vu une arme bleue aussi passer, donc c'est cool. Même si les armes, moi j'aimerais bien en avoir des un peu plus épiques. Non. Un peu plus rares. Y'a rien au milieu? Non. Attendez, j'ai réparé mon bâton, il est déjà dans cet état-là? Ou j'ai oublié de le réparer? Non, je l'ai réparé. Peut-être prendre... Non, pas ça, celui-là. Celui-là, il fait pas mal de dégâts. Il est un peu long. Mais ça me permettra d'économiser un peu mon autre arme. Ok, on vient de là, c'est juste pour voir si j'avais bien tout loot, même si j'ai sûrement oublié des trucs. Faut que j'aille là-bas. Mais quand même ici on fouille. Faut pas déconner. Je sais pas pourquoi le tuto s'affiche en permanence. Enfin s'affiche encore alors que j'ai fait le jeu depuis un petit moment. Enfin j'ai commencé à jouer un petit moment. Mais le tuto je n'ai pas pu le désactiver. Enfin je l'avais désactivé mais c'est autre chose apparemment. Ça a pas changé les messages de tuto que j'ai en permanence. Pas bien grave, ils sont pas affichés très longtemps alors. Mais je comprends pas tout. Bon bah pas grand chose sur cette terrasse là, c'est pas foufou. Mais il y en a souvent je trouve des dégâts critiques, ça va ouais mais... On va dire que... je sais pas. Une amélioration qui concerne que ça, je sais pas si je la vois assez... Si ça vaut le coup. Je veux dire, un truc qui se déclenche que quand il y a des dégâts critiques. Je sais pas. Ça va un peu se tenter. Est-ce que je peux en faire à l'arme à feu déjà? Je sais même pas sûr. Ok. Ah. Il y a quelque chose. Mais il y en a un hélico militaire. J'ai pas pu rentrer dedans depuis l'extérieur. Attendez. Là.
On peut rentrer dedans? Non, j'ai pas l'impression. Non, pas du tout. J'aurais tenté. Ça sent un peu la fin du jeu, non? Ah, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on a fait tant de choses au niveau du lore, donc je sais pas. On va voir. Ah! Oh, on va avoir un train fantôme! Ou un truc fantôme! Non, pas encore, ouais. Ça me paraissait un peu tôt encore. Non, je pense qu'il est pas si court que ça en fait le jeu. Ah, ça c'est bien. Mince, il faut un truc tranchant, je crois. Non, je voulais parer pour avoir de la vibre qui remonte. Déjà, ton analyse de son était en route pour récupérer le machin. Ouais, ouais, je sais pas. Pas censé exploser celui-là avec la ceinture. Il avait une ceinture. Souvent, ceux qui explosent, c'est plutôt ceux qui ont... Mais je suis où, là? On connaît pas, en fait. C'est ceux qui ont un truc dans le dos. Je crois. Bah, je vais me redresser un peu, là. On va se concentrer. Oh non, non, non! Je veux bloquer l'audio. Stop! Oh, je peux stop! Mais ça n'a jamais marché. Enfin, ça, je ne savais pas. Si ça n'a jamais marché avant, c'est que je ne savais pas du tout. Si j'avais su, je l'aurais fait bien plus tôt. Ok, je viens de là. Probablement. Là-bas. Mais là, du coup, il y avait l'air d'avoir quelque chose, mais je peux pas y aller. Ah, traîner de sang. J'aime bien comment elle trouve ça dégoûtant maintenant, alors que on en a vu vraiment des centaines de traces de sang exactement pareilles, et elle a jamais tiqué dessus. J'ai écrasé la tête, ça a pas marché du tout. Ah, mais parce que je faisais pas F. Il y a des gens depuis le début, façon dégueulasse. Mais oui, on arrache des yeux quand elle voit un truc qui est mutilé. Elle dit, oh super, je vais pouvoir faire des trucs géniaux avec ça et tout. Et là, elle voit une traînée de sang, elle fait, ah, c'est trop dégueu. Je sens qu'il faut que j'enlève ça. Ok, c'est ça derrière. Je l'ai pas vu. Oh! La pompe d'assaut de minutie. Ok. J'avoue que c'était pas nécessaire, mais j'ai vu un fusil à pompe. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je peux utiliser le mien. Là. Non, je ratais tout ce que je voulais faire. Excusez-moi, je suis pas con. Là que ça a trouvé la mort.
On avance un peu là. Je peux pas avancer là, voilà. Et toi t'étais pas là il y a exactement une seconde quand j'ai regardé la zone. Ça m'énerve que ça apparaisse exactement dans mon dos alors qu'en fait t'étais pas là 30 secondes. Ça m'énerve. Ils apparaissent dans mon dos. Pourtant on surveille bien nos arrières et tout hein. Nous joueurs que nous sommes. Et le jeu il sait. Du coup le jeu il attend exactement que t'aies tourné la caméra pour faire apparaître le mob. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un bâton de beau. C'est un bâton qui fait. J'ai l'impression que ça t'énerve non? Ce qui m'énerve c'est que les mobs apparaissent dans mon dos. Oui. Qui du bas? Hein? Santa Monica. Mais attends, il y aura même pas un passage dans la fête foraine, vraiment? Il y aura même pas un passage dans le train fantôme? Un petit truc pour faire plus dur, s'il vous plaît. Be generous. Moi, je ferais bien jump, mais je parie que ça va me tuer. On va tester. J'avais parié, hein. Mais j'ai testé. Tu peux passer par la fenêtre? Oui. Oui, oui, je sais. Je voulais tester. Toujours savoir si tu vas mourir en sautant dans un jeu. Toujours. Jusqu'à présent, on avait des murs invisibles au niveau de la flotte, alors je pouvais pas. C'était pour mourir, ok. C'était pour tester! Nous sommes des aventuriers du gaming. C'est notre rôle à nous, aventuriers du gaming, nous sommes sur l'internet moderne, de savoir, d'expérimenter, de tester, de faire ce que vous autres ne feriez point. Non, 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 sauter dans le vide, mais oui, c'est bien fort étrange, mais nous, nous testons. Dis donc. Voilà. Je te le dis. Ça me rate plus. Si, un petit peu. Ça me rate l'oreille. Ah, ça y est, ça me rate partout. Des fois, il y a des moments où je me gratte un endroit et là, je me rends compte qu'en fait, tout mon... Je sais pas, ça me gratte d'endroit et je suis... En plus, j'ai des cheveux et les cheveux, ça gratte. Allez, on arrête, on se focus. Sauter dans le vide et mourir. Elle sauta dans le vide et mourit, je crois que t'avais dit. Et mourit, c'est pas mal. Ok. Interrupteur. Je vais suivre. Je vais suivre les tuyaux. Les tuyaux, ils vont ça. Bon. Je vais pas suivre, on va trouver ailleurs. Alors du coup, s'il y a pas de courant, pourquoi on entend en arrière-plan, en arrière-plan truc? On entend des bornes d'arcade. Et pourquoi me mettre plein de bornes d'arcade partout alors que je sais très bien que vous n'aurez pas du tout l'intention de me laisser jouer à une borne d'arcade pour faire un jeu dans le jeu qui sont toujours les meilleurs jeux quand il y a un jeu dans le jeu. Pourquoi? Oh. Oh. J'aime bien. Ah oh, c'est stylé ça. Il disait, ah, c'est stylé ça, le couloir un peu rouge et tout. Non mais ah, ça va, ça va. Vous l'aviez vu, vous peut-être. Les épreuves de la même qualité que les romans de nos ministres. J'ai fait des études de com, hein, je suis calé. Effectivement, alors je m'accroupis. Cartouche de peupon. T'as pas la vue, un peu. J'aime bien. Moi j'aime bien. Moi je, voilà. C'est pour vous, c'est pour vous. I see button, I press. Je vois bouton, je puis. Shiny. Je vois ça brille, je puis.
pue partout, on pue partout, mais ta tête. Mais ta tête, roule ta tête. Yep. Perfect. Oh, dites-moi qu'on va pouvoir jouer à un jeu d'arcade, je vous en supplie. Franchement, en vrai, c'est pas tout ce dont tous les joueurs souhaitent là actuellement quand on arrive ici. En vrai. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau, hein. Bon, j'arrête. Ah! Non, le jeu, il va m'en empêcher. Il va pas me laisser. Vous me suivez? Mais de quoi tu parles? Ah oui, c'est vrai, elle parle de son... ses monstres dans sa tête. Oh non, je peux pas pouvoir. Le jeu va pas me laisser faire. Arrête! Je l'ai cramé! Ah oui, je peux faire ça, je peux faire... Je sais plus quoi. Je ne me rappelle plus comment faire mon ulti. Ok. Ça, c'est fait. Oui, je te heal, je te heal. Ok. Oh, je suis dans un cul de sac. Ça va maîtriser. Maîtriser. Toi, t'étais pas là avant. Ah, mais en fait, il est pas mort. Putain, les bornes. Don't make me tell you again. Je touche tes essayeux. En plus, j'ai des sous. J'arrête pas de ramasser les porte-monnaies des zombards, là. Il y en a une qui fonctionne. Je la trouverai. Je la rejoindrai et j'y jouerai. Bon, je vais faire une ref, mais j'ai peur à trouver comment. Pourquoi il marche toujours en crabe aussi? Parce que c'est chaud de marcher droit quand t'es mort. Dude. Don't judge the death body. Toi, tu marches. Non mais de toute façon ça c'est juste palais, ça on peut pas faire solo ça. Oh toi tu marches. La ligne dernière que j'ai pas essayé. Toi t'es cassé toi. Attendez, je refais un petit tour comme ça. Oh et là, on a une cachée qui marche. La borne d'arcade cachée. Non, c'est là d'où je viens. Y'a pas une seule borne qui marche, putain! C'est nul! Et oui, il faut être visible, il faut être visible, il faut être visible tout le temps, il faut être visible. C'est vrai qu'il y a vachement besoin de fusibles là, y'a pas de courant, hein? Merde! C'est chaud de marcher tout court quand t'es mort. Exactement, je trouve que c'est déjà bien. J'ai géré avec tous ces tours sur toi-même. Écoute, je cherchais la borne d'arcade salvatrice, ok? Je pense que ça valait le coup. Je vais faire la queue pour aller dans la fête foraine. Bon bah c'est comme en métro. Il s'est ouvert, c'est qu'on peut passer. Oh! Mais c'est comme ça maintenant les trucs, les autotamponneuses. Ça doit être sympa hein. Moi les autotamponneuses j'ai toujours trouvé ça chelou d'aimer s'en prendre plein la gueule.
Du coup, quand j'étais petite, des fois j'y allais et tout ça. Puis j'étais, mais. J'accompagnais souvent un adulte et tout. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais j'aime pas. Moi, j'aime pas perdre mes dents quand tu es censé m'amuser. C'est vrai, c'est chiant. Je peux passer? Non, je peux pas, hein. Peut-être par là. Évidemment. Va exploser ailleurs, toi. What is that? Hache de zombie. Ah, c'est littéralement un truc de zombie. Oh, les clés et tout. Mais quel mob de fou. Attendez. Ok, faut que je me débarrasse de certains trucs. De fou, hein. C'est F3. Ok, genre des trucs un peu. Oh, j'espère que j'ai pas viré un truc que j'avais amélioré. Non, je crois pas. On va la tester, la hache de Zombar, je crois. Hein. Peut-être que ça ouvre ça. Oui. Et on a une nouvelle carte, tueur. Ok, on va regarder ça tout de suite. Tu as éclaté la tête d'un gosse. Je ne peux pas contrôler la pesanteur quand un sale morveux ruine mon numéro. Franchement, qui court sous un alter qui tourne, ce petit con russe qui méritait. Je sais ce qui s'est passé, j'étais là. Si on était dans les années 70, on aurait pu étouffer l'affaire. Mais là, tout le monde a un smartphone. C'est moi qui suis un tort. Rentre chez toi, ferme-la, laisse-moi gérer ça. Tu me désobéis encore une fois, tu es viré. Tu ne peux pas me virer, pauvre con. Ma tronche est sur toutes les affiches. Boucho est un principal attraction. Ouais, alors c'est facile de refaire un make-up de clown des bro. Hein. Boucho, bon après c'est pour plutôt le nom du clown. Boucho. Papi Boucho. Ok. Ah, Juliette, ils sont mieux équipés que toi. J'avoue, les zombies sont mieux équipés que moi. Je suis déçue. Ah, je peux pas l'utiliser encore, c'est niveau 19. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller par là. Je vais quand même visiter un peu par là, et après je peux prendre... Donc les attractions fonctionnent, mais... Bande d'arcade, je peux pas aller... Enfin bref, on oublie, on oublie. Envie de y aller juste, mais on oublie. On oublie, c'est ok. Faudrait que je répare mes armes un moment. Est-ce que je peux reprendre mes armes? Ah oui, voilà, oui, c'est la même en fait. Et là-bas... Là-bas, il n'y avait rien. Voilà, je voulais voir quand même. Je t'ai pas passé par là. Ok. Donc voilà, on arrête à pile courant dans toutes les machines. Bah oui, on va go on it. Mais j'hésite à lancer une autre VOT. Je sais pas. Ah. Ah. Bon bah on prend et puis on va y aller hein.
stop it first, though. Faut stopper avant. Reskiller, tuez-les tous. Hein? Only I get to ride the big spinny thing. Je prends peut-être celle-là. Faire ça, tiens. C'est pas ça que je voulais prendre. Oh, le pépin. Ouais, mais non. Il est pas assez puissant. Le feu, peut-être. Ah, j'aime bien, il tue ses mates. Pas vu. Putain, il meurt pas. Oh, ça me saoule. Et là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Essaye de pas me heal. Enfin, de pas prendre des soins. De juste m'occuper de looter ce qu'il y a au sol pour me heal. Si j'y arrive. Merde. Ça. J'aurais pas dû, ça va mettre du temps. Il va me taper l'autre. Ok. Non, non, c'est quoi qui me tire dessus? Ah, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Voilà. Prends ça, je loot par terre au cas où je chope de la bouffe ou à boire. Ok. Barre de céréales, nice. Bon, ça va, j'ai réussi à régénérer un peu. Ouais. Misé, chier. C'est pas mal ça. J'attendais à parer mais il m'a juste regardé. Il m'a juste... Il a juste tenté de m'intimider. Je vais essayer toujours de trouver des soins. On a plus beaucoup de zombies, ça me ferait chier de taper dans mes soins. Surtout j'en ai plus de deux. Donc on va essayer. J'abandonne la mission si je passe cette porte. Ok, oui, parce que là on est encore en mode arène. Je pense qu'il n'y a plus de barres de céréales et de conneries dans le genre. Ah, si, il y a des conneries dans le genre. Et du Red Bull qui traîne. C'est toujours mieux que Rin. Sur les tables, non. J'ai d'économiser un peu mes soins parce que ça coûte une blinde à faire en fait. Enfin ça coûte surtout, il y a une compo qui est chiante à trouver. Tout ça va mais...
Du coup, si je peux éviter de taper dedans là tout de suite, j'apprécierais fortement. On va dire qu'on est bien. On est immunisé, c'est vrai. Ça, c'est du feu, alors c'est bien. Nice. Je me suis pris plein la gueule. C'est maintenant que ma folie sanguinaire revient. Merci. Oh, de la bouffe! Ok. Et toi? Et ça, c'est le dernier mob, donc c'est celui qui me donne les clés. Je me suis pas lancé une grenade dessus, je me suis lancé une grenade pas trop loin. Mais ça a été. Et ça, c'est le 3. Ok, grande roue, petite sou. No way. Yeah, higher. On va avoir des hallucinations. Comme la fois dans les égouts. On avait des hallucinations. Ah non, ça c'est un vrai mob. Oh, c'est ceux avec les gros ongles. Et c'est un clown, ouais. Je suis plus là. Mais t'inquiète, on va aller gratax. C'est juste un type avec un maquillage. Oh. There's plenty more where that came from, you party city reject. Du coup, on est descendu de l'autre côté, c'est ça? Machine. Pas de bol. On a notre folie, c'est bien. Je peux pas pouvoir passer, c'est dommage. Ah non, mais ça me le propose même pas. Ok. Alors. Je peux repasser de l'autre côté ici. Ah ok, je pensais qu'on était en forme, mais pas du tout. J'ai toujours pas... Bah voilà, j'allais dire, j'ai toujours pas trouvé d'atelier, d'établi. Pour me réparer tout ça. Et ben si. Et c'est cool. Il était vraiment temps. Ça, ça fait... ça... Je mettrais bien dans un placard des armes que j'ai trouvées, mais au pire, je les recyclerai. Mais pourquoi ça a explosé en face de moi? Quelle est la raison? Quel est le bazar? Bon, bah d'accord, je compris la strat. Ok. Des bisous, Infernalou! Très bonne nuit! Ah oui, parce qu'il y avait un piège dans la porte. Je l'ai pas vu du tout. Passons folie du minute. Non, ça va. C'est très calme hein, à partir de 3h30 du mat. Ça va là, on est tranquille normalement. Mais je te remercie Infernalou. C'est très mignon. Et c'est gentil de proposer, enfin de demander à chaque fois. Des fois ça peut être cool, ouais. Ah, ça me gratte! Il est mort le clown, il n'y en a pas d'autre. Il est pas mort! Il est pas mort, il a réussi à s'évader. Donc on va peut-être le recroiser. Je pense qu'on va aller par là-bas.
Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini d'explorer. Pas finiant. On va y aller, mais je suis pas finiant. Bordel, je vais repartir. Mais t'inquiète, c'est vraiment pas creepy. Genre, c'est comme toutes les explos qu'on a eues. Genre, vraiment, c'est chill. Les explorations, je veux dire. Là, y a rien de pire. C'est juste un mob qui est maquillé. La seule diff. He's okay. J'aimerais trop qu'il y ait des monstres zombies dans le float. Dans le float, j'aimerais beaucoup. J'avais combien de thunes sur moi? Vraiment pas beaucoup. Ok. Je veux dire, j'aurais pu améliorer une arme pour la mettre à niveau, mais non. Tu vois? C'est tranquille. Salut Zoran. Level Pennywise. Non, un clown même vivant et souriant, c'est creepy. Ah non, mais là t'inquiète pas, il est ni vivant et souriant. Basiquement, je trouve qu'effectivement... quand ils sont le plus creepy, c'est quand ils sont le plus normal. Là, c'est un zombie maquillé. T'inquiète. Comme au clown, je suis pas bien. Alors un zombie, une chute de tension. Mais il est mort déjà. Il s'est juste un peu relevé. Mais on va juste s'assurer du fait qu'il se relève plus là après quoi. Ça va mieux. Non, tu vois, c'est tranquille, c'est pas. C'est un train fantôme. On est juste dans un train fantôme, il y a des trucs qui font picher, qui font praï, qui font mais il se passe rien. On va croiser un mob, il sera un peu maquillé, mais c'est tout. Il est déjà parti, je crois, Sam. Looks even worse up close. Blood drive. Okay, this thing looks like a laptop. Hopefully not melted. Bon. Je vais arrêter la VOD ici parce que je sens que ça va être long ce level. Bisous VOD. On continue le level Pennywise dans la prochaine.